Je me suis aperçu que, enfin, beaucoup trop souvent, je dois dire, que la plupart d'entre vous n'écoutent pas ce que je dis, au point qu'il est arrivé maintes fois que je répondais en détail à une question et que immédiatement après, une autre d'entre vous me posait exactement la même question comme si je n'avais rien dit. Et le phénomène est comme ça, que chacun est enfermé dans sa propre pensée, comme d'ailleurs je suppose que vous avez l'habitude de le faire à l'école, que vous répétez votre leçon à vous-même si vous êtes attentif et assidu, et que vous n'écoutez pas ce que le professeur demande et ce que les autres élèves répondent. Et ainsi, vous perdez le trois quarts de l'avantage de ne pas être seul en classe. Ici, c'est plus sérieux, parce que je ne donne jamais une réponse personnelle, individuelle, que je réponds pour que tous en profitent. Et que si, au lieu d'écouter, vous continuez à penser à ce que vous avez dans la tête, il est de toute évidence que vous perdez l'occasion d'apprendre quelque chose. Ça, c'est le premier point. Si vous êtes ici, eh bien, d'abord, écoutez. Pensez pas à autre chose. Mais ça ne suffit même pas. C'est seulement le commencement. Il y a une bonne manière d'écouter et beaucoup de mauvaises manières d'écouter. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont assez amoureux de la musique pour savoir l'entendre. Mais si vous voulez écouter la musique, il faut que vous fassiez un silence absolu dans votre tête, que vous ne suiviez et n'acceptiez aucune pensée et que vous soyez entièrement concentré dans une sorte d'écran qui reçoit sans mouvement et sans bruit la vibration de la musique. C'est la seule manière, il n'y en a pas deux, c'est la seule manière d'entendre la musique et de la comprendre. Si le moins du monde vous admettez les mouvements et les fantaisies de votre pensée, eh bien, toute la valeur de la musique vous échappe. Eh bien, pour comprendre un enseignement qui n'est pas tout à fait d'ordre matériel ordinaire, qui implique l'ouverture à quelque chose de plus intérieur,
cette nécessité de silence est encore beaucoup plus grande. Si au lieu d'écouter ce que l'on vous dit, vous commencez à sauter sur l'idée pour poser une autre question, ou même à commencer à discuter ce qui vous est dit sous le prétexte fallacieux de comprendre mieux, tout ce qui vous est dit passe comme de la fumée sans laisser aucun effet. De même que lorsque vous avez une expérience, il ne faut jamais, pendant le temps de l'expérience, essayer de comprendre ce qu'elle est, parce que vous la faites s'évanouir immédiatement, ou que vous la déformez, et que vous lui enlevez sa pureté. De même, si vous voulez qu'un enseignement spirituel entre au-dedans de vous, il faut que vous soyez tout à fait immobile dans votre cerveau. Immobile comme un miroir, non seulement qui reflète, mais qui absorbe, qui laisse le rayon entrer et aller profondément au-dedans, afin que des profondeurs de notre conscience, ils ressortent un jour ou l'autre sous forme d'une connaissance. Si vous ne faites pas ça, vous perdez votre temps et battez le marché, vous perdez le mien. Voilà un point qui est bien établi. Je pensais vous l'avoir déjà dit plusieurs fois, mais enfin, peut-être que je ne vous l'avais pas dit assez clairement. Si vous venez ici, venez avec l'intention d'écouter dans le silence. Ce qui arrivera, vous le saurez plus tard. L'effet de cette attitude silencieuse, vous le reconnaîtrez plus tard. Mais pour le moment, la seule chose à faire, c'est d'être comme ça. Silencieux, immobile, attentif, concentré. C'est tout.